mal tombé aux réseaux sociaux là. Ça là, si j'étais avant là. Et puis même là, si Sarkozy restait au pouvoir, Soro, tu n'avais pas l'oc. Tu n'avais même pas l'oc même. Tu n'avais pas, non, depuis ils t'ont mis dans un truc là, t'es jeté quelque part là-bas. Quand depuis ils t'ont emballé, ils t'ont jeté quelque part là-bas. Ah! Babou est dictateur. Babou a fait ça. Babou a fait ça. Babou n'a jamais mis. Les rebelles là même, là, les Soro Guillaume là, il les a jamais mis en prison. Je suis musulman. Ils ne veulent pas que je sois président parce que je suis musulman. Babou n'a jamais mis imam en prison. Vrai ou faux? Il y a les adorateurs là. Je sais qu'aujourd'hui, ils vont m'insulter. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, là, je suis découragé même du pouvoir d'Alassane Ouattara. Avant, j'étais découragé, mais là, maintenant, c'est devenu grave même. Mais imam Aguibou là, il a fait quoi? Hein? Imam Aguibou a fait quoi? On dit non, on le traite de terroriste. Mais pourtant, le gars, il a fait la vidéo. Moi-même, là, j'ai cherché sa vidéo là même. Où il a dit qu'il est djihadiste là. Mais vidéo là, il a fait ça date. Il y a longtemps. Mais pourquoi vous ne l'avez pas mis en prison à l'époque? Pourquoi vous ne l'avez pas mis en prison à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, il a dit que ouais, non, ça coûte cher président. De manière qu'il vient me trouver là. Pardon. Avant de partir là. Il faut diminuer, tu as parti. Et est-ce que comment tu voulais? Quand tu es. C'est-à-dire, quand tu es bon là, ils vont dire que tu es bon. Quand tu n'es pas bon là, on va bon faire là. Un jour, ça a sorti un jour. Maintenant, j'ai vu une vidéo aujourd'hui où les musulmans étaient au stade. Où ils ont dit en 2004, les musulmans, ceux qui devraient aller à la Mecque là, ils ont eu problème. Il n'y avait pas d'avion. Babou a donné combien de millions même? 100 et quelques millions. Plus un avion pour accompagner ceux qui n'ont pas eu place. Il a réglé tous les frais là-bas. Mais toi, tu les mets en prison aujourd'hui. Alassane, on est découragé. Wallah et Bila, on est découragé. On est découragé. Babo, Tungara Ibrahim, il dit quoi? Mais Babo a tué imam. Mais Babo, son pouvoir était attaqué. Et regarde, c'est ce que je vous dis là. On va se parler. Même toi-même là, ton bien là, si c'est attaqué là, mon frère, tu vas te défendre, non? On n'a qu'à laisser à faire de dire, il y a ça là, il y a ça là. C'est-à-dire, nous tous là, de tous les côtés là, on a été, c'est-à-dire, ils ont joué à nous. Sous le Gbagbo, on dit, il a été élu. Mais maintenant, si les Soro là vont se regrouper, ils viennent l'attaquer. Donc, avec ce qui quoi? Même toi-même là, toi, vieux Bella, si toi tu me provoques, ou bien, toi tu me provoques, tu sais que tu n'as pas raison. Si moi je me lève, pour dire ouais que je vais te frapper là. Ah vieux père, bien vrai que tu n'as pas raison, mais tu n'as pas ta soin, hein? Hein? Babou était déjà président, il a déjà fait 2 ans. Et puis on l'a attaqué. Quoi, Babou a tué imam. Mais il a tué imam. Moi, je ne dis pas que c'est bon. Mais nous, on était en guerre. C'est comme aujourd'hui, les gars là disent non, quoi ils ont tué, quoi ou bien quoi là. Les gars là, ceux qui sont morts là. Donc, en nous, mon frère, nous, on a pris fleur en gardé au Louma. Hein? Eux là, au Louma, t'es mouillé. Donc, au calme, mon frère, quand on est en guerre, là, on est en guerre. Il n'y a pas à faire de dire non, il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là. Imam est mort, c'est vrai, ils ont tué des imams. Mais nous aussi, là, on a tué là-bas. Ou bien, en nous, mon frère, arrêtez ça là. On a rien. On est arrivé à un moment aujourd'hui où on doit s'asseoir. Comment faire pour mieux vivre demain? Faut pas venir t'asseoir là, crier ou bien faire des postes pour dire non, lui là il est comme ça, lui là ils ont tué, lui là à cause de lui là. Tout ça, c'est derrière. Parce que si on dit on va aller voir les morts là, on va rester au cimetière là-bas. On va rester au cimetière là-bas. Donc on n'a qu'à essayer d'avancer. Aujourd'hui là, tout le monde voit. Babou a cassé maison. Peut-être c'est tout ce que les gens d'Ado l'avons dit. Non, Babou il tuait. Non, nous on ne tuait pas. Et nous, on venait, on parlait, non, nous, on est gentils, on leur donne fleurs. Et puis, Babou se lève, il va tuer les gens. Hein? Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour dire mes vérités. Si Alassane s'était comporté, s'il avait pris soin, comme de la manière Babou Laurent, il sait que, ouais, Soro est son adversaire, là, il est venu pour le détruire, là. Si Babou Laurent a pris soin de Soro, là, mais pourquoi lui, Alassane, il ne le fait pas? Hein? Pourquoi lui, il ne le fait pas? Et puis, vous voulez qu'on reste comme ça? Hein?
Arrêtez vos trucs là. Quand on parle ici, là, quand on dit vérité là, il n'y a pas place pour mensonge. Babou a tué, oui. Mais nous aussi, on a tué. Moi, je ne dis pas Alassane. Sonny Guillaume aussi a tué. C'est tout. Mais pourquoi vous voulez toujours. Donc, c'est à cause de ça là. Les gens sont en train de mourir en prison, en exil là-bas là. Qu'on ne veut rien faire pour eux. D'attendre où vous éboigner là. Qui a entendu que, ouais, non, ils ne veulent pas qu'on parle Boubou. C'est parce qu'il y a une situation qui s'est présentée au moment d'Alassane Ouattara où on dit non, et puis on nous a fait croire que ouais, c'est comme ça, et puis c'était comme ça vraiment. Mais si tout ça là est fini, on vous dit maintenant on n'a qu'à s'asseoir, on va parler de paix, on va parler de réconciliation pour que le pays avance. En 2011, vous avez vu la vidéo aujourd'hui, Alassane a dit que le pays est stable, qu'il n'y a pas de danger. Mais pourquoi aujourd'hui il vient dire que ouais, stabilité du pays? Pourquoi? Moi, je vous dis ici, moi, mon choix, je n'oblige personne et je ne peux pas obliger quelqu'un. Mon choix, là, c'est Soro Guillaume. Pourquoi j'ai aimé Soro? Parce que Soro, il a fait une vidéo, même il n'y a pas longtemps, il a répété. C'est-à-dire, il dit, je suis là pour diriger quelque chose. Donc, je me dis quoi? Je dois aller dire vérité à Gbagbo, ce que je vois là. Il allait dire à Gbagbo, ah, mais c'est à partir de là, là, moi, j'ai aimé Soro Guillaume. Sinon, moi, il ne le calculait même pas. Il dit, ah, lui, là... Comme bon, il est âgé que moi, il dit, lui là, il est comme moi. Moi, j'aime pas le ouya ouya, je suis pas dedans. Et puis moi, souvent, il m'assoit même, pourquoi je fais politique même, pourquoi ma bouche est dedans? Parce que c'est un truc qui est sale. Les gens veulent pas dire vérité. Et il y a tes vécu qui le font. Souvent, quand il y a vérité, la frita mort. Quand il fait jour là, on ne doute pas quand il fait jour, même si tu n'as pas monte. Quand tu regardes comme ça, ou bien bruit même au dehors, même l'aveugle sait que s'il fait jour là, il sait. On vous parle, vous êtes là, mais quand, c'est-à-dire, si on ne se réconcilie pas, on va faire comment? Alassane va partir un jour. Donc, on va rester comme ça. Je vous dis, hein, tôt ou tard là, ce que vous ne voulez pas là, ça va se faire. Si vous vous prenez à faire 33 ans, le père du pays même là, père fondateur même là, si lui il a fait 33 ans et puis il est mort là, dites-vous bien que ça n'a qu'à être comment là, un jour là. Ceux que vous ne voulez pas voir au pouvoir là, ils vont prendre le pouvoir là. Parce que ce pays là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Betu à Dougoulébé. Et puis maintenant, quand ils vont faire ça là, c'est vous qui êtes là en train d'écrire là, ouais, c'est rentré, c'est ça. Mais eux, ils vont partir en exil parce qu'ils ont volé le pays. Ils ont l'argent, ils sont partis. Alassane Ouattara ne pouvait pas faire comme Nelson Mandela. Hein? Il ne pouvait pas faire comme lui. Il pouvait le faire. Mais pourquoi garder les gens en prison? Pourquoi? Je ne parle même pas de Soul Toussoul. Bah, si je parle de lui, ils vont dire non, c'est papa, son vieux père là-bas. Je ne parle même pas de Soul Toussoul. Mais si Alassane Ouattara a pu libérer Afingessa, qui est parti à Addis Abeba, il le regardait méchamment comme ça là. Et puis il a dit, Ouattara ne serait jamais président ici. Mais lui, aujourd'hui là, tu l'as choisi. Tu as choisi Afingessa comme ton opposant. Et les enfants qui sont en prison là, c'est à cause d'Afingessa là. Eux là, tu as dit le jour qu'ils sont allés brûler au commissariat, quoi là. C'est à cause de ceux, c'est à cause de même Afingessa là, ils sont allés brûler. Tu as gardé Simone. Ça veut dire, ça c'est ton jouet. On voit Simone en prison, Afingessa est en liberté. Et puis, Abdramane Sangaré, lui, il fait que porter les vestes couleur là. Soit aujourd'hui c'est jaune, demain c'est rouge, après demain c'est blanc. On ne sait même pas où lui il est quitté à Essil là. Il ne faut jamais parler, j'ai jamais vu Afingessa sans parler. Même Samba qui est en prison là, il a fait quoi? Il a été jugé il y a 6 mois. Mais depuis 2000 combien il est là-bas? Moi en tout cas je ne suis pas là. Peut-être que les adoïstes là, les 10% là, c'est eux ils vont dire non. Que, sinon moi là je n'attire pas la haine. Hein. Je dis ce qui est vrai. Moi je dis ce qui est vrai. Voilà, Soro Guillaume, c'est toi qui as gâté. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens, même ceux qui ne sont pas fans d'étoiles, ils savent que c'est toi. Ils savent que c'est toi, tu peux faire quelque chose. Quand j'ai dit faire quelque chose là, seul opposant aujourd'hui, quelqu'un qui peut se mettre dans l'opposition, qui va effrayer Alassane là, c'est toi. Et il a peur déjà même. Voilà pourquoi ils sont en train de dire, ouais, et ils pensent que si tu n'es plus, président de l'Assemblée, tu ne peux pas être président. Mais Gbagbo n'a jamais été président de l'Assemblée, il n'a jamais été premier ministre. Mais comme Dieu a écrit sur Gbagbo là, il a été président. Ou bien, vrai ou faux?
aya laboy aya laboy aya laboy dron. Je sais qu'il parle comme ça là, ça vous dérange, ça vous dérange, mais ni moi moi connais qu'à essayer qu'à cinéma connais à la tête à tritoyer. Et puis je vous dis ici, je ne dérange personne en Côte d'Ivoire si c'est pas le pouvoir Ouattara là. Bah, je sais ce que j'ai vu à Abidjan quand je suis parti. Ils étaient obligés de fuir. Maintenant, ils n'auront qu'à tourner. Tant qu'ils sont là, mais ils vont partir bientôt, Inch'Allah. 2020, là. Il y a tant de ans. Et puis après, Avenata, moi, il est venu. Ouattara nous dit, non, ne vous vengez pas. Ok, c'est un bon président. On est content. En même temps, Ouattara même se venge de Gbagbo Laurent, des prisonniers, des exiliés. Il dit aux exilés, ah, si vous venez, vous allez passer d'abord devant la justice avant de rentrer à la maison. Voilà pourquoi je demande à Soro Kium. Soro, tu nous as mis dans problème. Soro Kium, tu nous as mis dans problème. Donc c'est toi, tu peux nous enlever dans problème là. Il est resté qu'un bon problème maintenant. Viens, tu vas être opposant. Viens, on a besoin de toi dans l'opposition. Parce que aujourd'hui, là, il n'y a pas d'opposition. Opposition, t'es aidé. On a besoin de toi dans l'opposition. Soro, on a besoin de toi. Bah, il est le quartier, il ne fallait pas accepter. Maintenant, tu as accepté là. Aujourd'hui, là, et tous, ils se sont enlevés dedans, non? Viens, on a besoin de toi, Soro. On a besoin de toi. Et puis, il te dit, il faut faire très, très attention à toi. Bah, ils sont prêts à tout. Parce que quand tu tires un lion comme ça, là, mais je ne parle pas de bon Koulibalien, je parle de vrai lion en brousse, là. Quand tu tires sur lion, là, en brousse, là, comme il sait qu'il ne va plus vivre longtemps, là, c'est ça qu'on appelle lion blessé. C'est ça qu'on appelle lion blessé. Donc là, là même, là, même s'il te voit d'avion de guerre, même, tu es en train de venir, là, il ne va pas fuir. Comme ils savent qu'ils vont perdre le pouvoir bientôt, là. Donc ils sont prêts à tout. Donc, Soro, il faut faire très attention. Parce que toi, si quelque chose t'arrive, Wale Bile, j'ai dit ça ici, hein, et vous allez dire ça un jour. Si quelque chose arrive à Guillaume Soro là, c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Je sais de quoi il vous parle, hein. J'ai pas appris ça par quelqu'un. Parce que moi là, c'est parce qu'il ne veut pas vous parler comme ça. Oh. Si quelque chose arrive à Guillaume Soro, c'est-à-dire, je vais vous donner un peu de détails. Quand ils vont toucher Guillaume Soro là, faut pas qu'ils s'arrêtent, hein. Eux-mêmes là, même ni Mouromo Founien. Ouais, Freddy Lanet.